Alors, commençons, commençons. Attends qu'il y ait du gens, les gens sur le chat. Alors, j'imagine que je peux pas juste copier-coller ce qu'il y a là. Ce serait trop simple, bien sûr. Les noms de données, tac tac tac. Et oui, ça aurait été trop simple. Hein. Je vais voir si je peux pas genre split naturellement comme ça. Logique. Ah, alors ça c'était sûr et certain. On allait avoir des dates nulles. Texte brut. Peut-être que au milieu de deux, il y a base.
Alors, on va se baser là-dessus. En rencontre avec un bon vieux heure par contre. Ok. Dans ce cas-là, yes, c'est ça. Alors, dans le fichier original, il y en a combien? Il y en a 4, 5, 9, 10, 11. Ah, c'est le même. Donc il y en a juste 9. Hein. Oh, ça se fait bien. Donc là, on peut cliquer potentiellement sur ces différents trucs. On va voir ça. Je me dis que événement s'écrit pas comme ça. De rencontre, hein, ça ira plus vite. Hein. Tac.
Voilà, ok. Donc là, on a initialisé la feuille. Tout ce qui va nous rester à faire, ça va être de, lorsqu'on clique sur une de ces lignes, une de ces colonnes, c'est d'afficher une valeur en fonction de ce qui a été roll là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais roll. Je vais l'appeler une seed, juste parce que j'ai envie de me la péter un peu. Tac. Un aléa entre 0 et 100. Ah. Aléa 100 du coup. C'est pas une virgule, hein. Je me fais avoir à chaque fois, c'est dingue. Tac. Ah. Ah oui. Excel. Aléatoire à chaque clic. Ah, c'est F9. Donc il peut roll 100. Je peux juste faire 1 entre 1 et 100, et là c'est pas mal. Ok. Est-ce que ça gère le... Est-ce que ça a véritablement de 1 à 100? Oui, ok, c'est juste qu'il va jusqu'à 0,0. Et 0,0, on sait que c'est 100. D'accord. Ok. Voilà. Ça va se faire. Alors déjà on va essayer de trigger un truc random à l'intérieur de ça. À l'intérieur de cette plage. Alors comment est-ce que je vais m'y prendre? Je pense qu'on va commencer par... Si on prend un nombre aléatoire. Ce nombre aléatoire, je peux aller comparer entre ça et ça. Je crois que il y a une fonction, c'est si dans liste. Si une cellule contient une donnée dans une liste, est-ce que à la place de dans une donnée, je peux juste aller, c'est NBC. Dans liste, hein. Je vais faire une petite condition pour chacune à se comparer. En général, je devrais faire ça. Je devrais faire si un petit test, hein. À chaque
à chaque ligne. On va faire déjà par on va faire déjà une cellule là. Si. Alors déjà, il faudrait que je puisse extract, faire un petit split. Hop, un split. Chaîne de caractères. Actionner une texte en plusieurs. Ok. Je sais que ça va être du format. Hey, salut Soma! Comment ça va bien? Séparation de Jeff et Smith. Gauche. Comment ça, gauche? Juste gauche? Alors. Désolé pour le petit retard. Le retard a été refusé parce que handicap. Ça veut pas dire la même chose en anglais qu'en français. J'autorise le mot retard. Ah! Gros tournoi Smash sur Lyon, j'imagine? Hop. Alors, Just Miss. What? Qu'est-ce que c'est que ce. Wow, what? La droite de. Hop, sur Paris. Ah oui, t'y vas pas. C'est juste un gros tournoi. Ah oui, c'est ce genre de tournoi. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel hein? Gauche cherche. Je vois pas à quoi ça correspond. Ça a vraiment une tête bizarre. Allez, on va tenter un truc. Gauche de. Ça marche ça? Ouais, j'avoue. J'avoue, ça a du mal à prendre. Ça avait du mal à prendre en termes de stream. Mais là, j'ai pas regardé tes shorts. Peut-être que c'est outdated, hein. Peut-être qu'on est déjà des boomers. Ouais. Bah préviens-moi dès que t'as envie de repasser en vocal. Je suis sur le serveur. Comme d'habitude. Alors. Vas-y, j'ai même pas regardé tes shorts. Hein. On peut faire un petit react. Hein. Short. Hein. Ah bah attends, mais il va me le faire lire un truc directement. Soma TV. Hop. Les joies du multijoueur dans. Ah, je vois mon avatar déjà. J'avais pas Discord de lancer, j'avais pas remarqué que t'étais en vocal. Incroyable. Ah mais du coup ça peut apparaître. Let's go, je suis. Ouais, c'est déjà préprogrammé. Ce sera le cas pour les autres personnes qui veulent rejoindre. Je mettrai leur avatar quelque part sur le stream. Hein. Ouais. Bah carrément, bah tu peux en mettre jusqu'à 4 en vrai, tu en mets en bas et puis voilà. Ouais, à l'envers. Enfin, un à gauche et un à droite. Si on a un pote australien, ça marche. Ouais, carrément. Oh, les joies du multijoueur dans Baldur's Gate. Ok, faut que je lance ça. Ouais. J'ai coupé. Encore une fois, j'ai dû re-enregistrer par-dessus pour certaines parties, mais voilà. Ok, attends, je vais juste. Je vais peut-être couper la musique avant. Hop. Ouais. Six Feet Thunder. Pas mal. Mais c'était une des parties qui m'avait bien fait rire quand on avait joué ensemble, du coup je l'ai remise. Est-ce que c'est le caillou? On va voir ça. Non, c'est pas le caillou. Attends, je vais le mettre là, quand même. Pour que la France entière te voit, et par la France entière, c'est juste toi et moi. Non, sauve le môme. Ok, j'ai engagé un combat contre 4 ennemis. Okay, ce combat intéressé d'RP, moi j'ai aidé une barde à lui trouver des paroles de musique, elle est en train de chanter, elle a une voix magnifique. J'ai le droit à une attaque d'opportunité. Il y a un combat et c'est un peu vénère. Ouais, je vais faire au mieux. Attends juste quelques secondes. Quelques minutes.
Alors la cinématique prend son temps, mais la musique est vraiment vraiment beaucoup. Point de qui ? Putain, j'ai tapé mon allié à la place. Okay, gamin est mort. Oula, je suis obligé. La Z va se noyer. Voilà, ça, genre, en gros j'ai quasiment regardé entièrement la VOD, je me suis marré d'ailleurs, hein. Mais j'ai quasiment entièrement regardé la VOD. Ça marche d'ailleurs le lien que j'ai mis, j'ai fait à partir du portable. Tu peux cliquer là sur Mazio OS ? Non. Ah, je vais le corriger. Je fais ça. Voilà. Mais oui, et juste, genre, j'ai... Merde, j'ai revu en gros quasiment toute la VOD, j'ai vu ça, j'ai fait oh, ça, faut que j'en fasse quelque chose. Et ça va, ça te plaît d'ailleurs le texte et la petite vignette en bas ? Ah, c'est trop bien, c'est trop okay. trop bien. Ah, je te demande. Ah, franchement, ta short est giga bien rythmée, ça fait trop plaisir. Elle est vraiment trop bien faite. Je commence vraiment à trouver un certain rythme qui me plaît, je commence à progresser en vrai. Ouais, c'est dingue, genre le pacing de la vidéo est vraiment nickel, hein, franchement. Bon, ouais, parfait. Tu fais ça pour n'importe quel autre contenu, je pense que ça passe. Hein. Tu fais ça sur notre stream Minecraft. Ouais, c'est juste parfait. C'est prévu. Je vais reprendre le stream Minecraft, c'est mon objectif d'aujourd'hui. Je vais reprendre le stream Minecraft et je vais progresser dessus. J'ai bientôt fini, enfin, je suis à la moitié de la vidéo, c'est pour le storytelling autour de nos personnages. Oh. J'ai 20-25 secondes. Et voilà. Ah, puisqu'on est passé en vocal, t'entends peut-être pas la musique. Hein. Oui, j'ai coupé le son du stream pour éviter que ça fasse okay. écho, ça fasse double. Donc, oui. J'ai juste lancé une playlist de fanfiction, hein, rien de très original. Oh, tranquille. Alors, juste le premier, je vais probablement faire des allers-retours pour passer un tout petit peu de temps avec Clay. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé beaucoup de temps et puis il y a le tournoi Smash. Mais allez, tranquille. Il n'y a pas de soucis. Si jamais je me mute, ça me fait disparaître de l'écran ? Si tu te mutes, je ne pense pas. C'est juste, ça va te laisser constamment en mode désactivé. Ouais, c'est ça. Okay. C'est si tu quittes le chain vocal, ça va retirer la vignette. Hein. Ok. Bah écoute. Ouais. Alors la question c'est pourquoi est-ce que gauche ça marche pas ? La gauche ça a jamais marché, c'est la preuve en image. Ah oui, tu travailles sur la table, la loot table de la tombe là, j'imagine. Ouais, je mets aucun spoiler, je travaille avec des données random et off stream j'irai les changer. Ok. Parce que je suis même pas sûr que j'ai le droit techniquement d'afficher le PDF officiel. Juste, on rappelle, hein, Dom RP. Dom RP. Je t'avouerai que j'ai pas pris le temps. Genre, je suis tellement pris par le montage, tout ça, des shorts, tout ça, que j'ai vraiment pas pris le temps de retravailler mon RP. Et ça me dérange pas plus que ça. Tu m'amuses bien avec. Ah, c'est du texte. Comme ça. Je m'amuse beaucoup sur ton RP. J'ai juste envie de jouer en personnage trop cool. Je suis un enfant. J'ai l'impression que ça marche pas. Ça marche juste pas. Est-ce que gauche est reconnu comme étant un truc ? Extrait les premiers caractères de l'extrême gauche d'une chaîne de caractères. Ouais. Parce que si je fais juste. Attends, ça. Et je prends les deux premiers. Ouais, d'accord, ça met juste. Avec un point virgule, pas une virgule. Ouais, ça fait juste 0. Hein. Bah, en fait, j'ai un plan. C'est tout con, j'ai un plan. Alors la question c'est... Si je fais ça, est-ce que ça fait genre valeur ? Est-ce que ça met un crash ? Non, ça va, ok. Ça c'est la valeur de base, hein, gauche. Et si je fais une valeur de droite, hein, base, ok. En fait, le problème, c'est qu'il y a juste le 100 qui fait chier. Parce qu'il faut que ça fasse deux caractères pour que ça marche. Hein. Mmh. Et maintenant, je crois que je comprends. Je comprends pourquoi il disait cherche. Cherche, ça doit te donner l'index du premier caractère. Et donc, c'est à gauche de... Ok, on va essayer. Cherche, renvoie le numéro du caractère. Ouais, c'est ça. Attends, je vais juste faire ça. Je peux t'en sortir. Tac. Voilà, nickel. En disant de la gauche à droite. Pas d'histoire. D'accord. Cherche.
Bon, je parle un peu tout seul, désolé. Bah, c'est le but aussi, hein. On parle un peu chacun de vous, tout seul, mais. Ouais, j'étais juste en train de regarder un peu les analytics des vidéos dernièrement. Et en tout, j'ai quand même fait 15 000 vues et 35 abonnés, c'est ok. Attends, je vais baisser un peu le son du tumulte parce que je ne t'entends pas. Je vais peut-être te monter, toi d'ailleurs. Ok, ouais. Cette phrase, il faut vraiment que je la sorte de mon vocabulaire. Je vais te monter, toi. Hop. Qu'est-ce que tu disais? Désolé. Non, je disais que j'étais plutôt content, j'ai fait genre 15 000 vues en 3 jours, en une semaine et demie là, de visionnage, et j'ai fait 35 abonnés, c'est ok. Ah, c'est giga clean, hein. C'est très très clean. Hein. Donc là, ça marche, il hein. Faudrait que je fasse la même chose. Hein. Ah, mais les shorts, c'est broken. En plus, toi, t'es bon. Là, j'ai tout, genre, ça. En plus, le fait que j'ai un avatar VTuber, ça peut être intéressant parce qu'il y a tout un subset de gens qui sont pas forcément intéressés par tout ce que je fais, mais juste parce que j'ai un avatar VTuber, ça peut être. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que là, récemment, j'ai refait tout mon branding un peu partout à gauche, à droite. Hein. Mm. Et le but, c'est que je continue et que je le mette dans les shorts. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment mon PNJ tuber qui est bien fait avec plein d'émotions différentes. Comme ça, je pourrais vraiment, genre, aller à fond, genre changer les émotions toutes les deux phrases comme ce que faisait le gars, là, Scott Falco. Mm. Un texte cherché. C'est toujours MazioOS hein, sur YouTube, t'as bien changé, hein. Oui. Pourquoi j'arrive pas à te ping, ça marche pas? Est-ce que c'est parce qu'il manquait une parenthèse? Oh oh! Ah oui! Ah bah c'est bon, c'est nickel. Je fais ça, moins 1. Et ça fait 0,1. Et si jamais je le change en 0,0,1, ça met 0,0,1. Je comprends vraiment pas pourquoi ça veut pas. Genre j'essaie de te ping, tu sais, avec c'est juste un arrobase, hein, mais ça veut pas. Genre, normalement, c'est juste censé mettre la. Attends, je vais faire ça. Et ça, c'est bon. Je vais faire ça. Modifier, tac, Mazio OS. Je vais entièrement le supprimer. Tac. Ah, mais est-ce que je dois juste rajouter un lien? Je dois force. Non, ça me semble bizarre. Ça marche pas. C'est quoi? Et gauche. Et... Mais attends, je peux juste faire droite. C'est beaucoup trop simple. Est-ce qu'il me fait 100 du coup? Ah, il me fait 0,0. Parce que. Et droite, alors droite, comment est-ce que ça fonctionne exactement? Ça prend juste les caractères qui sont à droite par rapport à ça. Ah, est-ce qu'il me donne un trick ou si est juste faut que je retire le moins 1 ou une carré comme ça? C'est moins fan de cette musique là. Alors, il y a un album que j'aime beaucoup de Fanfiction qui est un album de cover de musique de Sonic qui s'appelle Sonic and Chill. Et comme son nom l'indique, c'est très chill. Ok. Ok, ok. Et il y a une en vrai, musique. Envoie-moi les liens, c'est vrai que j'étais en train d'écouter là avant de venir sur le vocal là. Et les musiques que tu mets sont bien, j'aime beaucoup. T'as une musique, je crois que c'est File Select, qui est une. Qui a des easter eggs autour de Rocks Like This. Et ouais, c'est exactement dans le même registre que ce qu'on a écouté ensemble. Mmh. Donc là, il n'y a vraiment pas de surprise. Ah ben non, c'est que là, à la place de moins 1, c'est un plus 1. Parce qu'on cherche, c'est à droite. Hein. Ben non, c'est pas ça. Parce qu'on prend à droite. Hein. À partir de l'index. Ah attends, c'est peut-être pour ça qu'il disait droite. Ah bah oui, parce qu'il faut comparer avec le reste de la largeur. Oh oui, celle-là est incroyable cette musique. Et c'est laine. Taille peut-être. Vous voyez laine. Alors, laine, ça existe pas. Ouais.
prochaine version probablement. Non, parce que Lens serait pour genre Lenf, hein, ce serait en anglais. Donc c'est fucked. Hein. Ouais. Donc c'est pas taille. Pas l'air de vouloir. Bon, je vais juste essayer de faire un dernier tour. Je reviens dans quelques minutes. Yes, ça marche, ça marche. Hein. À tout de suite. À toutes. Alors, quel est ce problème bizarre? Le prénom commence. Et donc, du coup, Len. Ah bah attends, bah, tout est expliqué là depuis le début. C'est NBKAR. Hein. C'est le nom de... Bah voilà. NBKAR de ça. Moins la recherche, et on obtient 20. Ce qui fait que si on passe à 200... Ok. Donc ça, on a les bornes. On a les bornes, on les a extraits à partir de ça. Donc là, c'est bon, on est clean. On est clean. Et à partir de là, ce qu'on peut faire... C'est faire un bon vieux... Si... Cette valeur... supérieur ou égal à cette valeur. Attends, parce que c'est... Et... Manque d'expérience sur ça, pour les conditions. Et si c'est ça... Inférieur ou égal. Est-ce que je pense trop comme un développeur? Je dois avoir une. Dois avoir un truc genre entre bornes. Inclus peut-être? Alors parce que du coup ce qui est génial c'est que tous les petits tests comme ça, ben non normalement c'est bon ce que j'ai fait. Attends. Attends, y a une couille qui clope pas. Le fait que les parenthèses se mettent pas automatiquement. Mais je suis pas idiot quand même. Plus petit que. Alors par exemple. Oh putain. Bah ouais. Ah oui, ok, d'accord, bon bah c'est de la grosse merde. Hein.
Et voilà, et ça marche comme ça. Donc, en fait, faut renverser tout, complètement la syntaxe. Hein. C'est ça, voilà. Et donc, à la place de ça, j'ai envie qu'il soit supérieur à ça, et que ça soit inférieur à ça. Et donc, on est bien supérieur à 1 là. Supérieur ou égal à D12. D12. Ah oui, donc là, il n'y a vraiment pas. Est-ce que c'est parce qu'on sort nombre ? Est-ce que c'est ça le bail ? Est-ce que le bail c'est ça ? Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse genre ? Ça c'est une chaîne de caractères en fait, c'est ça le problème. Là c'est un... là il y a pas de confusion. Si je fais avec des bandes comme ça, est-ce qu'il arrête de m'embêter? Quoi, il faut qu'il soit super égal hein. Ah, la bande de gauche et un fer. Ouais, non, c'est bon. Bon. Je pense que c'est ça, hein, c'est vraiment le problème de. C'est de la formule. C'est numain. Convertir en nombre une chaîne de caractères représentant un nombre. Je vais le faire ici, ça va être plus simple. C'est num. Ah ah! Ouais, c'est ça. C'est num. Voilà! Et là. Yes! Ok, ça marche. Ça, y a pas de souci, ça fonctionne. Donc là, je peux vraiment avoir entre deux bornes. Et donc, ça idéalement, ça voudrait dire que ça, on va le bloquer. On va le figer dans le marbre. Tac. V2 on fige. Non, pas V2. C'est ça qu'il faut fige. Faut que V12. C'est B2 à la place du C2. B2. 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 Bada bada bada.
Donc à partir de là, je peux déterminer si lequel est vrai. Ok, donc ça veut dire qu'à partir de ce nombre-là, à force d'étapes, en fusant toutes ces roquettes, on peut arriver à le résultat. Alors la question c'est, est-ce que ces trucs-là, est-ce que ces formules, je vais les cacher quelque part ? Bah ouais, on peut, hein, on peut. Pas dans ce tableau-là, par contre, que j'aimerais que ce tableau-là, donné soit vraiment strictement à ça. On va tout mettre là. Alors la question magique, c'est ça, si je le copie-colle comme un dégénéré, ouais, forcément il va péter un câble. Parce que la ref, il la retrouve plus. Tu tentes quoi là exactement d'ailleurs ? De quoi ? Tu tentes quoi là exactement d'ailleurs ? Là actuellement, mon objectif, c'est d'afficher dans rencontre la rencontre aléatoire qui est sélectionnée en fonction du jet de dés et du lieu que j'ai choisi. À partir de ces plages là. Ah ! Parce okay, que. Okay, oui. Alors regarde pas trop en termes de contenu texte. Ouais, non, mais le tableau de rencontre aléatoire du jeu a cette tête là en fait. Ici t'as les lieux dans lesquels on peut apparaître et là t'as les événements qui peuvent okay, arriver. Ouais, donc tu rends toutes les données, tu rends ça. Ouais, comme ça on peut juste genre. Ouais, ça accélérera à fond donc du coup la narration et tout le reste, on peut juste se balader à un endroit. J'ai juste et, à aller juste à aller ici, je choisis le lieu que je veux, j'appuie sur F9 et hop, ça l'acide est là, et le type de rencontre et la rencontre que j'ai choisie sera là. Ok. Ok, voilà. Ok. C'est le but. Hein. C'est comme ça, à chaque case, on pourra dire il s'est passé ça, enfin, et ça. Après, je peux aller plus loin et genre sélectionner, genre, dans la journée, vous allez faire ça, puis ça, puis ça, et ça me génère une liste, mais j'ai envie de rester simple. Le but, c'est que ce soit simple à l'utilisation, que littéralement, juste à cliquer sur une des cases et ça me dit dans le compte. Ouais. Parce que là, je dois appuyer sur F9 pour changer la seed de randomisation. Mais je sais qu'avec un script, avec un vieux script à la con, tu peux juste dire que là, lorsqu'on clique dans cette plage là, on peut genre changer la seed obligatoirement. On peut la forcer à changer. Et donc j'aurais juste à cliquer sur un lieu, ou même recliquer dessus, pour que ça fasse une rencontre différente. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Et donc j'utilise des formules à la con là qui veulent absolument rien dire. Et donc voilà. Et donc l'objectif, c'est que là maintenant, je puisse genre reproduire ça. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que là, je fais mon vieux NBC et ça me retourne l'index de la ligne. Je pense que c'est ce que je vais faire. Que je vous laisse. Détermine le nombre de cellules non vides récompensées. Non, c'est pas ça. C'est pas un NBC, c'est. En fait, faut que j'applique une condition. Si. Excel. Si. Sur une. Si sur plusieurs cellules. Si multiples, c'est ça. Et ça correspond. Ça renvoie le résultat correspondant à la première valeur correspondante. Et s'il n'y a pas de valeur correspondante, une valeur par défaut peut être envoyée. C'est pas ça, on s'en fiche. Excel. On peut tricher évidemment. C'est pas un simultiple. Non, ce qu'il faut que je commence déjà, c'est que ce que je commence à faire ici, je vais rajouter une fusion de tous ces critères là et juste prendre cette valeur là comme référence, hein, c'est J5. Ça c'est égal à feuille injuste.
la renommée. Pareil, des trucs, genre je peux faire un truc trop trop bien. C'est faire un faire genre une section de mon tableau. Et je peux genre l'appeler, je peux lui donner un nom et ça devient une variable que je peux réutiliser à d'autres endroits du tableau Excel. Et ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça, et c'est insane. C'est vraiment trop fort. Ok, ouais, ouais. J'ai envie de l'appeler title, mais ça n'a pas de sens. Je vais appeler une ça. C'est J5, je crois. C'est J5. 69, nice. Parce qu'il est toujours en texte, standard. Non. Je sais pas pourquoi il me... Il fait des trucs bizarres parfois avec celle-là. Ok. C'est insupportable. C'est pas du texte, c'est standard. Voilà, mais moi 60. T'as changé, c'est 75. Ok. Intéressant. Et là, on va faire notre classique. Si c'est égal à... Ouais, ok. Ça marche. Si c'est num gauche, machin, machin, machin. Allez, c'est parti. YOLO. Ça va bien marcher. Et donc à la place de E, enfin à la place de P12, c'est ça, M1, est-ce qu'on va lock, ça va être la ligne. Ok, ça a l'air de marcher pour l'instant. Vrai, vrai. 35, c'est bien entre... C'est pas entre ces bornes là. Putain.
Ça aurait été trop facile. Mais non, attends, c'est entre ces bornes-là, ouais. On sent que c'est entre celle-là et celle-là. First try, hein. Cette musique, hein, c'est Chill Zone Act 2, qui a une petite dose de, hein, de Rocks Like This. Hein. Attends, mais je vais l'écouter. Déjà 17h, c'est n'importe quoi. Ouais, le temps passe vite, hein. C'est vrai que les musiques que tu mets pour le stream, vraiment, elles ont une bonne vibe, hein. Elles mettent vraiment, vraiment bien. Comment ça? J. Attends, tu dis ça pour moi? De quoi? T'as dit ça pour moi ou? De. Le comment ça? Non, non, le comment ça c'était pour. Non, c'est pour une valeur. Ah, ok, du coup. Je faisais un compliment et tu me dis ça et je suis en mode. J'ai dit quelque chose de mal. La valeur a retourné si la formule produit une erreur. Bah, trou. J'ai raison, je pense. J'ai... vrai, pas trou. On est en français, cocorico. J'ai rencontré une erreur. Ah, parce que. Non, mais vrai, c'est une. Erreur, voilà. Parce que là, actuellement. Attends. Ouais. Annulé. Il met quoi comme erreur? C'est valeur, d'accord. Valeur. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Tout va bien. Bat tout de bonne. C'est erreur. Non. Bim. Tac. Je commence à avoir méga faim. Ok, donc si ça c'est pas valide. Non, annulé. Comme format, tu vas mettre une police en gris. Ils aiment RGB. Est-ce que. J'ai besoin de vérifier un truc. Erreur de calcul. Mais c'est nul la façon dont c'est fait. Non. Égal non. Faut que je
que je fasse comme ça. C'est de la merde. Bim. Comment ça? Si erreur. Ou alors, je m'embête pas. Et ça, différent de vrai. Ça. Je suis en train de regarder la VOD du Minecraft et c'est vrai que j'avais vraiment une run insolente. Hein. Attends, quoi? Attends, c'est différent de vrai, c'est différent de faux. Tu mets le truc. Pourquoi tout est en... Ah! Et tu sais quoi? D'ailleurs, là, c'est mieux. C'est décidé. Ok, ça veut dire que... Eh, salut Underpixel. Ah, comment ça vient? Là, actuellement, je fais un truc de gros geek, de gros nerd, c'est mort. C'est que je suis en train de faire un générateur de rencontres aléatoires de Donjons et Dragons. Alors, c'est très bizarre, dit comme ça. Mais pour te dire simplement, dans la campagne que je suis en train de préparer, de Donjons et Dragons, t'as tout un système de rencontres aléatoires où à certains endroits on va lancer un dé à 100 faces et en fonction du dé il va se passer tel ou tel événement. Et moi mon objectif c'est de reprendre ce système et de l'automatiser. Voilà, je fais ça parce que c'est beaucoup de trucs à gérer pendant que je lance ma campagne de jeu de rôle. Et plus j'automatise des trucs, bah plus c'est pratique. Et plus on peut gagner du temps. Et plus ça se passe bien. Et plus on a le temps de faire d'autres trucs. Plus on a le temps à faire de contenu. Et ouais, j'ai Soma avec moi aussi. Voilà, voilà. Et oui, je suis là. Si on veut discuter un petit peu. Et oui, je stream pas pour le moment. C'est juste un tournoi Super Smash Bros actuellement qui est en train de se jouer, donc je lurk en gros en quelque sorte. Voilà. Et de temps en temps on discute. Alors du coup je sais pas si t'as le chat, ouais, puisque tu discutes j'imagine, mais il te demande comment tu vas. Hop. Donc là ouais c'est vraiment un stream chill, hein. On tryhard pas sur un jeu, on fait juste du vieux dev. Parce que j'avais pas mal de trucs à préparer du côté D&D aujourd'hui. Et donc je le fais en stream parce que je trouve ça marrant. Voilà. Et donc là, si je fais F9. Voilà. Donc là, je vais faire un NGC récupérer la valeur de la ligne. Et à partir de là, je pourrais dire que pour chaque lieu, c'est telle ou telle rencontre. Ah, vas-y go un petit smash. Alors moi je suis éclaté au sol à smash, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Ok ouais, je viens de lire ça, je te défends, ça actif. Puis voilà, tu joues en compétitif à smash. Moi j'ai beaucoup joué en compétitif. J'adore aussi la compétition, j'adore regarder les tournois. Et bon voilà, Steve c'est Steve, donc on sait très bien que c'est fort. C'est je fasse un double NGC, enfin NBC, c'est pas NBC, c'est 6 multiples. Comment fonctionne la 6 multiples?
Je pourrais streamer du Smash d'ailleurs, moi, je pense. D'accord. Streamer du montage, non. Non, streamer du Smash. Et streamer du montage aussi, c'est pour être. Ouais, c'est une bonne idée, ça marche très bien. Ouais, j'ai joué avec les autres personnes, j'espère que c'est éclaté. Ah, t'inquiète, de toute façon. Et y a que des fous pour travailler des Smash. Hein. Quand il réfléchit, Smash, certes, c'est un jeu de combat. Donc, enfin, c'est un party game en plus qu'un jeu de combat. Hein. Donc, certes, c'est compétitif, mais les gens sont capables de créer du compétitif sur Mario Party. Donc, voilà quoi, on en est là. Hein. Et jouer en casu, comme on dit, à Smash, je trouve ça absolument hilarant. Hein. Se balancer tous les items du monde, tomber sur un pic aléatoire que tu veux, que t'aimes pas jouer. J'aime ce Smash Bros. C'était Recherche Eve que je cherchais justement, ironiquement. C'est une de ces commandes qui est un peu chiante. Hein. Voilà, valeur recherchée ou colonne à retourner. Et ça, c'est pas obligatoire. Ça dépend quel objet. Bon, t'enlèves les objets qui te plaisent pas. Hein. De quoi? Non, c'est. Je réponds d'un pixel. Ouais, bah ça se filtre bien. C'est Mario Kart qui a rajouté là un filtre maintenant où tu peux changer les items que tu veux jouer ou pas. Oui. Comme ça, on peut vraiment faire une run full. Full carapace bleue. Ouais, c'est ça, où tout le monde a des carapaces bleues aussi. Truc insupportable, tu sais. En vrai ça, je pense que c'est un des trucs les plus drôles à faire. Ouais. Bah, c'est marrant pour une course. Mais non, parce que moi je me plains de prendre toujours des carapaces bleues quand j'ai la chance. Tu mets que les éclairs. Premiers, coup, truc chiant. Comme ça, tout le monde subit mon désarroi, ma détresse. Si tu mets que les éclairs, ça devient juste une course 50 cc. Ouais, c'est ça. Bourgeois Denis. C'est recherche chèvre. Ah, c'est ça, voilà. C'est un excellent item de rajout, je trouve, la fausse balle smash, justement. Il faut connaître le logo, hein. Ce qu'il échoue, j'ai envie de dire. Tu sais, ils auraient pu lui donner exactement la même apparence, comme ça tu sais vraiment pas. Genre. Ça aurait été extrêmement drôle. Je vais rajouter une ligne en haut. Ça fait toujours pas, hein, c'est bon. Trésor pour une run à 64. Trésor de 51 à 89. Ouais, c'est bon. Ok. On s'amuse. Recherche V. Valeur cherchée. On recherche vrai dans cette table là. Et ce qu'on veut, c'est la chercher là-dedans. Comment ça? Ah oui, la balle de. Merde, c'est la balle de. Ah de golf, ah oui, je crois. Non, c'est une balle de baseball, je crois. Oui, baseball, c'est ça, oui, c'est une balle. Elle est incroyable. Elle est broken. Ouais, il y a aussi le l'espèce de portail là qui te balance dans le vide de Mario Galaxy. Oui, la Warp Star. La Warp Star, elle est drôle. Incroyable. Il y a un mode de jeu qui a été inventé qui s'appelle le DK Star, qui se base sur des DK et juste avec ça. Et donc, du coup, le but, c'est de s'envoyer ça à la gueule et de se sauter dessus. Voilà. C'est extrêmement drôle. Le Smash Ball, il y avait aussi un vent. Ouais. Il y a plein de modes qui sont joués comme ça aussi. Mais ce genre de truc est vraiment vraiment très drôle. Ouais. On recherche vrai. Attends, là-dedans. Numéro index de colonne. Ah, ok. Éclaté. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est nul comme idée. C'est vraiment mais nul. Ouais. Bah du coup c'est 1. Parce que évidemment. 0? C'est
Parce que là, on est d'accord, si je fais vrai, vrai, ça fait vrai partout, il n'y a pas de... Hein? What? Va le rechercher. Dans la table. Numéro index de colonne. What? Je trouve qu'en général, Sephiroth a trop bien été influencé dans le jeu Under Pixel. Vraiment, genre juste son ulti est trop bien, ses moves sont trop bien. Son écran de victoire, c'est un des meilleurs avec celui de Joker. Oui. Oui, oui, oui. Sephiroth est vraiment trop bien. Il tu a joues quoi d'ailleurs en général Ses projectiles déjà, sont tellement marrants. C'est oui, n'importe déjà, quoi. C'est vraiment le truc que rajoutent les DLC. C'est qu'ils ont vraiment donné le paquet sur du vrai visuel, vraiment éclatant, des animations vraiment très belles. Genre Sora, il est considéré comme vraiment pas amusant un jeu pour beaucoup, mais ses animations sont trop bien. Ses animations sont vraiment vraiment trop bien. C'est vraiment c'est... plaisir. Oh, le sound agréable design, à le sound design de Sora est exceptionnel. Ouais, ouais, carrément. Les bruits de Keyblade lorsqu'il fait son neutral air, le tch-tch-tch, incroyable. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Ça, même ses Smash, genre ils ont des sons incroyables. Ils ont des sons incroyables. Et même en termes de projectiles, d'explosion, c'est tellement stylisé. Mm. Ouais, ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, je te conseille de jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube officielle de Sakurai. Sakurai, ouais. Parce qu'il parle justement des SFX d'explosion. Et c'est une très très bonne vidéo pour tous ceux qui sont intéressés par le dev. Hein. Et même forcément, même quand t'es pas intéressé par le dev, c'est giga intéressant. C'est un peu dans le décor. Il y a un temps, je regardais vraiment toutes les vidéos de Sakurai, mais ouais, plus trop maintenant. Il produit trop de contenu. Ouais. Je me réabsente quelques minutes. Je vais sûrement faire à manger. J'ai très très faim. Ouais, y'a pas de soucis. Allez, à tout. Trois catégories. J'ai les persos que je joue à fond. Ouais. Y'a toujours mes mains. Et les persos random. Et les persos trolls. Et moi, ce qui est génial, c'est que dans les trois catégories, y'a la plante piranha. Attends, et Lemmy, c'est pas troll, c'est bien Lemmy, moi j'aime bien. Bon, le gunner et le sword fighter, c'est troll, mais le brawler, il est très bien. Non, oui, oui, c'est un peu du troll. Bon, allez, à plus. À toutes. Ah là là, valeur que vous pouvez rechercher, la valeur que vous recherchez doit pas. Doit apparaître la valeur que vous voulez rechercher. Attends, va apparaître dans la première colonne de la plage. Est-ce que j'ai inversé les colonnes? On va tester. Ah oui! Ah, si t'as raté ouais, l'occasion de l'avoir, c'est un peu chiant ça. J'aime pas comment. Ouais, je sais même pas. Tu dois pouvoir le trouver en DLC à genre 90 centimes, un truc comme ça. Alors non, ça c'est pour les mini-costumes, il doit coûter genre 5 balles, un truc comme ça. Mais ouais, la plante piranha, c'est 6€, ouais. Bon, c'est un investissement, j'ai envie de dire, la plante piranha. Dans ton cas, je pense, ne l'achète pas. C'est un perso un peu blague, il est pas très très viable de ce que j'ai compris. Mais juste, il me fait trop rire, donc je le joue. Aussi simple que ça. Ah bah oui, je te crois. Après, c'était marrant de faire un perso que tu pouvais avoir vraiment gratuitement si t'achetais le jeu. Attends, si je fais... What? Ouais, ouais. C'est toujours chiant de se dire que j'ai tout sauf un truc. J'ai malheureusement ce problème avec les jeux de cartes. Je collectionne quelques cartes Yu-Gi-Oh! Et j'ai des vieux sets qui sont complets sauf deux cartes. Et le problème, c'est que si je commençais à pouvoir les compléter, ces deux dernières cartes, je sais que je vais devoir m'acheter une tonne de trucs si je veux l'avoir là, de manière aléatoire. Et si je veux l'avoir en single, ça va me revenir très cher aussi. Donc c'est un peu la tristesse.
la colonne la plus à gauche de ta matrice. Ah bah oui, bien sûr. Il est super bien designé, et en plus, il a été designé directement en collab avec Toby, donc forcément. Alors j'ai l'impression que... Tac, tac. Ah. Les costumes de Smash, hein, ils sont à 80 centimes. Tous les mi costumes. Ouais, ils sont tranquilles. Hein. En vrai, ça me fait marrer comme il y a des trucs comme Cuphead ou alors des personnages de. Ouais, franchement, ça va. Ça va, ça va. Évidemment, ça marche pas comme ça. Et pourquoi ils le considèrent comme. Ah, est-ce qu'il faut que je le mette entre parenthèses des fois? C'est vraiment ignoble, hein, parfois. Ouais, d'accord, ok. Il y a des trucs genre Cuphead, il y avait Dovahkiin, je crois. Donc le Dragon Slayer de Skyrim. Il y avait Master Chief, je crois. Franchement, ils ont mis des Non, il faut vraiment que je fasse. J'ai une séance de RP demain. Il faut absolument que tout soit prêt. Après, peut-être que plus tard dans la soirée, avec Soma, on va peut-être se faire une petite séance Mario Kart. Hein, c'est possible. Est-ce que c'est ça le problème ? On va revenir sur le... sur l'exemple de l'autre qui était clickbaity avec des trucs absolument abominables. Ah, ça clignote de tous les sens, waouh. Valeur recherchée, ouf, colonne retournée. Quelle est la valeur recherchée? Nous commençons à chercher. Oh, putain. C'est vraiment le tutoriel. Hein. Ouais. Le nom de mon tableau de référence. Hein. Ah. Pas sûr de prendre l'en-tête du tableau, il est encore de fixer les enveloppes pas carrément gauche la mets variée. D'accord. Faut que ce soit un maximum dynamique. Hein. Si je le mets dans ce stand là. Wow. Non, juste ça. Ça, c'est vraiment juste cette référence-là. Alors ça marche pas, ça. Ça marche pas. Ah, si tu as tous les personnages, même les DLC du jeu, dont Smash t'offre le costume sans aide. Ah, d'accord. Oui, si t'avais acheté les deux packs de personnages, ouais, t'avais le droit à ces costumes-là. C'était sur Smash Wii U ou c'était sur le premier de Smash Ultimate où t'avais genre Rex, le protagoniste de Xenoblade. Parce que je me souviens que Rex était offert pour une raison ou une autre. C'était peut-être bien moi le premier DLC sur Switch. Ah, le problème c'est ça en fait. Ah, c'est chiant ça. Chiant. Deux. Ok, alors faut que je définisse mon tableau de manière bizarre.
référence tableau. Ah, la musique est un peu forte. Alors cette musique là est plus forte que les autres. Je la réduis un peu. Ça va être un peu mieux là. Cette musique là était beaucoup plus forte que les autres. Alors, ça doit pas trop être mal là. Putain, oui, oh la vache, ouais. Elle est violente celle-là. Ah ouais, d'accord. Là, ça devrait pas trop être mal. Hein. Comment je fixe une référence à un tableau? Parce que. Parce que sinon, je peux juste faire ça, mais c'est éclaté au sol ça. Faudrait que je puisse dynamiser. Dynamiser ces colonnes là, genre avoir ça et ça. Et si à la place de vrai, je cherchais autre chose. Là, ouais, là pour le coup, c'est pas recherche F qu'il me faut en fait, c'est autre chose. Alors oui, alors je l'affichais comme ça très 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 rapidement. Oh! Oh, Snail House. Je vais me faire copyright strike. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de ces musiques un peu chill que j'écoute. Je vais peut-être traduire un petit peu. C'est vrai que techniquement je pourrais genre augmenter un peu le contraste. Hein. Ou je peux changer la couleur peut-être du chat. Hein. Mais bon, on va le laisser là comme ça. Alors. Oh, il y a un autre truc, mais il faut que j'arrête de parler pour sa voix. Mais mon personnage, il cligne des yeux de manière aléatoire de temps en temps. Genre là, il a cligné des yeux. Il faut que je parle pas pour ça. On s'en fout de l'argent, t'es ici par amusement? De l'argent, pourquoi? Comment ça? Alors s'il y a un truc pour lequel je suis là, c'est vraiment pas pour l'argent pour le coup. Oh, vas-y tableau. Enfin, en fait c'est... séparé. Alors comment? Référence structurée. Lorsque vous créez un tableau Excel, attribuez un nom et... Eh ben attends, mais oui! Je peux faire un truc comme ça, moi. Ah oui, mais non, je peux pas le faire. J'ai pas le droit. Je peux pas le faire parce que c'est... Là, il est pas monétisé, le live. Hein. Je suis pas partenaire, j'ai pas le droit à ça. À moins qu'il y a des vues, à moins qu'il y ait des pubs qui se lancent, hein. Ça, si c'est le cas, faut que je le désactive. Je sais pas si je peux d'ailleurs. C'est ça qu'il faudrait que je prenne comme référence. Ah, j'ai du mal avec certains mots, pareil. Tac. Ok, on va y arriver. Combien de fois je te l'ai dit, toi? T'es une cellule, t'es pas un texte. Ok, et donc là, si je fais ça, par contre... Attends, c'est forcément là. C'est forcément le truc à chercher. Alors, on va tester. Si je fais 2, par exemple, là. Et je fais ça. Là, il le trouve pas, en fait, c'est ça. Par contre, si à la place, je le mets là. Alors du coup, toi, tu vas aller chercher ça. Tu vas aller chercher A3. Mais il est insupportable, monsieur. Tac. Ah ouais, alors moi je viens juste d'acheter le jeu, je viens juste de l'acheter, donc honnêtement, la dernière fois que j'ai joué au jeu véritablement, donc à part pour un petit test là récemment, c'était sur Wii U, quand c'était encore Mario Kart 8 Vanilla, sans rien. Donc je pense
En termes de points en ligne, j'ai pas grand chose. Hein. Et donc là, il y a un monde où genre je cherche ça. Je cherche vrai parmi ça. Pareil, je suis pas certain que Soma joue en ligne beaucoup. Donc là-dessus, je sais pas. 4, donc ce serait genre 9, un truc comme ça. Erreur de valeur, comment ça? Alors ça fait pas sens. 2, ça fait valeur. Est-ce que 4, ça fait vrai du coup? C'est toujours valeur. 10. Qu'est-ce qui m'embête? Et 23. Oh! Attends, je crois que ça marche enfin. Eh oh! T'inquiète pas, je suis très faible à Mario Kart. Tu n'auras pas besoin de ne pas aller. Tu n'auras pas besoin d'être gentil pour que je perde. Par contre, Soma, c'est une autre histoire. C'est un gamer. Attention, c'est prévenu. Soma, il nous explose, hein, je pense. Je connais pas ton niveau, mais c'est quelque chose, ça. C'est quelque chose à voir, ça. La dixième. Faut que ce soit vrai. Wow. Pourquoi? Et 23. Hein? Et 23. Pourquoi il fait tout le temps et 23? Alors que le vrai, il change, là. Dans cette valeur, dans cette variable-là. Est-ce qu'il veut que vrai soit une valeur genre comme ça? Non. C'est peut-être... En fait, c'est du code que je le fais ce matin. Ah ouais, non, mais c'est du code, hein. Ouais, c'est vraiment du code, hein. C'est pour ça que la catégorie du stream, c'est développement, hein. C'est du véritable code. Hein. Le code, il m'embête, hein, d'ailleurs. Ouais, je cherche le vrai à l'intérieur de cette valeur-là. Ouais. Pour l'instant, ça me va. Et je retourne. Je retourne ça, normalement. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'embête, hein? Parfois, il change. Hein. E23. C'est beaucoup 2356, hein. Si tu veux flex, tu utilises si tu veux flex mais négativement, tu peux prendre le volant en or en utilisant le gyroscope, hein. Comme ça tu peux vraiment flex, hein. Oh, c'est Metroid, ça. Lower Brinstar, c'est ça, ouais. Mais alors pourquoi est-ce qu'il m'embête? Pourquoi est-ce que tu m'embêtes, toi? Alors ça, du coup, je peux le virer, ça, d'ailleurs. Quoi? Ah, ouais, non, c'est normal, c'est parce que j'ai changé des valeurs. Pourquoi est-ce qu'il met tout le temps Event 3? Éclaircis-moi. Que se passe-t-il? Avec un quiz. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ok, d'accord. Notre tableau de référence contient 7 colonnes de AG pour l'adresse. Bon, ça va. La valeur recherchée. Je recherche la valeur parmi A2, A9. A2, A9, ouais. Et si je retrouve un vrai? Ah, ouh!
Ah mais ça c'est si tu veux être vénère ça. Oh le 200 cc en volant ça doit être quelque chose. Hein. Et si à la place de... Ouais non mais ça doit être insupportable. Hein. Je me demande à quel point le jeu il gère le vol, enfin le gyroscope plus le tournage automatique. Plus, t'avais, je crois que c'était l'accélération automatique, un truc comme ça. En fait, tu joues plus. Et c'est en 200 cc, donc tu meurs tout le temps. Ça va être insupportable. Hein. Ouais, je pense que je vais tenter un truc. En fait, si tu recherches un 5, mets ça. Ouais, donc c'est bien la... C'est la donnée à rechercher dans la première colonne. Non mais c'est clair, c'est le dérapage automatique qui est géré, je crois, aussi par le truc auto. Fixer les références de votre table, elles ne doivent jamais varier. Bon, ça, OSEF, c'est pas un problème. Est-ce que c'est parce que j'utilise des valeurs bizarres? Je pense que c'est parce que j'utilise vrai ou faux. Il doit pas aimer. What the fuck is that? Hein, c'est quoi cette musique? Hein, allez, juste parce que t'es là. Juste parce que t'es là. Tac, tac, tac. En aléatoire. Toujours marrant. Tac. Voilà. Et là, elle est basse la musique. On va l'augmenter. Ça va pas être mauvais là. Tac. Alors. Voilà, nickel. J'adore cette musique. Je sais pas si c'est controversé, mais j'ai presque tendance à plus aimer celle-là que Big Shot. Hein. Et je saurais pas expliquer pourquoi. Big Shot est objectivement genre incroyable, mais j'aime bien la vibe de celle-là. Je pense hein, que c'est comme ça. Je pense que c'est pour ça. Mais je pense que c'est une aberration ce que je suis en train de dire. On va tricher. Now's your chance to be a big shot. Be a big shot. Ah oui. Now, chance to be a big shot. Be a big shot. Yes. Les autres musiques des timelines des autres mégalomania. Ah, je suis pas encore énormément dans le délire des timelines alternatifs. Alors ça, Soma, par contre, il a fond dans lui. Point, point. On a compris. Tac. Oh. Non, j'y suis presque. Non, pas false, c'est faux, pas false. Bam. Oh, ça sert bien même. Alors Tweet. Qu'est-ce que j'avais fait de différent là? Là c'est tout le temps monstre 1. Ah cette musique là perce un peu les tympans, je trouve parfois.
passage là la musique il fait un petit peu mal quand tu l'entends à haut au niveau. Là il me dit tout le temps monstre 1 et je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça se fait pas trop bien en fait ça. Dune 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 dune. Pourquoi montre 1 ah, c'est un peu la vibe, ouais. Vrai ou faux? Parce que si... Ouais. Est-ce que par défaut, genre... Si je fais ça, il va passer à monstre 2. Il prend la dernière. Il prend la dernière à chaque fois. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mmh. Ah, c'est galère ça. Ça marche. Qu'est-ce qui m'embête là? On cherche ça à partir de là. Donc ça c'est pas un problème. C'est pas cette valeur là le problème, j'ai pas. C'est peut-être ça le problème. Parce qu'il me sort tout le temps la dernière. Si je le place en texte, il se passe quoi? Je cherche le vrai. Ici à la place de vrai, chercher ça. Là, il le trouve pas. Comment ça? Non, ok, ça marche pas. Je serai à me dire. Ah, j'adore. Putain, cette musique est vraiment incroyable. Laura Shigihara, je crois, son nom, c'est la chanteuse. Elle a travaillé sur Plantes vs Zombies, c'est assez marrant. Ah, putain, cette musique, c'est un mood aussi. C'est un sacré mood. Est-ce que j'aime le KFC dans les jeux de Toby? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une typo ou est-ce que tu voulais vraiment dire ça? To be a big shot. Be a big shot. KFC? Qu'est-ce que le KFC a à voir avec Toby? Est-ce que j'ai une ref? Hein, est-ce qu'il y a une ref quelque part? Est-ce que c'est que l'intro ça? C'est possible que ce soit que l'intro de cette musique. Ouais, je crois que c'est que l'intro. C'est du Blue Balls comme on dit dans le milieu. Ah ouais? Ah! Oh putain! J'avais jamais remarqué. J'avais jamais remarqué. C'est incroyable. What? Ok. Ok. J'avais... Putain, c'est fou. Il aime beaucoup le KFC. C'est possible. C'est plutôt bon KFC.
Enfin, ça dépend après beaucoup du restant lui-même. Pourquoi est-ce que je pars sur cette... sur cette tangente. Et là, ça repart sur du Event 3. Je comprends plus rien. Je vais voir les différentes variantes de recherche. Alors, si ça se trouve, il y a peut-être plus simple que tout ce que je fais là actuellement. Recherche H. Cherche une valeur dans la première ligne d'une matrice et envoie la valeur de la même colonne à partir d'une ligne spécifiée. Mais c'est pas exactement ce que je suis en train de faire là. Attends. Cherche une valeur dans la première colonne. Cherche une valeur. Ah, c'est pour les lignes et colonnes. D'accord. Recherche une correspondance d'une plage ou d'un tableau qui renvoie l'élément. Correspondant dans ce deuxième tableau de plage. Ah. C'est pas... C'est ce que je veux en fait. Oh. Allez, amusons-nous. Recherche X. La valeur cherchée, on cherche vrai. On le cherche dans le tableau suivant. Et oula. Putain, je suis en train de péter mon micro là, c'est pas l'idée. Ah putain, allez dis-moi. Valeur non disponible. Quoi, vrai? Très fort. Incroyable. Il l'a fait. He has done it. Ok. Ok, c'est bon. Là. Ah oui, quand on repart de zéro sur Mario Kart, on n'a pas grand chose. Et encore, moi je trouvais ça marrant l'idée de devoir redébloquer tous les personnages comme dans Smash Ultimate. Et quand j'ai acheté le jeu, j'étais presque déçu qu'il fallait que j'ai tous les personnages dès le début et que tout ce que j'ai à débloquer c'est des voitures. Le process pour débloquer les personnages était marrant sur le 8. Et moi, ce que je recherche, c'est plus ça, c'est vrai. Trésor 1. Oui. Boing, 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 boing. Allez, faire ça ou pas? Attends, je veux déjà que je lock. Pa, pa, pa. Oui, victoire totale. Yep. Allez, courage. Si t'es en 150, ça devrait le faire. T'es sur 200 ou 150? Mais ok. T'es en 50. Oula, oula, oula. Ah oui, tu pars vraiment depuis le début. Bon bah bon diaporama en tout cas. Ah oui, tu refais vraiment tout. Bah grand courage à toi. Hein. Et courage pour pas mourir d'ennui, c'est surtout ça, sur du 50. Hein. Bon bah c'est bon, ça c'est trouvé. Et donc la question maintenant. Tirer là-dedans. Peut-être. Ça c'est plus nécessaire, je me suis supprimé. Et à la place... Tu vas rechercher là-dedans et tu vas loquer. Dollar, pas pounds, dollar, dollar. Tac. Insérer.
On va refaire ça. Oh, cette musique aussi, je la trouve incroyable. Oh, non, attends. Ça, c'est... Cette musique, je la trouve exceptionnelle aussi. C'est vraiment un gros coup de cœur. Ça m'arrive de juste, un peu comme Nastablook, juste m'allonger dans mon lit, comme ça, mettre cette musique à fond, et juste regarder le plafond. C'est vraiment le genre de musique juste incroyable. Juste incroyable. Tac. Roup. Ah, je vais juste faire ça. Ta 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 ta. Hey. Mais bon, comme apparemment j'ai des goûts musicaux un peu bizarres, hein, peut-être qu'effectivement on est les deux seuls. Hein. Ok. Donc là c'est bon. On y arrive. Après 25 milliards d'années. Je fais 1. Oui, ça fait un peu We Are Number One, exactement. Je me suis fait un peu la même remarque. Hein. Quand je joue au jeu à la base, enfin, pas quand je joue au jeu parce que tu l'entends pas, je crois, celui-là, mais quand j'écoutais l'OST après. C'est vraiment incroyable. Hein. Cette musique aussi, ça me fait un peu le même effet que le... Donc, que l'écran de création de personnage, hein. C'est un peu la même vibe. Hein. Ok. C'est vraiment une musique, genre, pas forcément sereine, parce que celui de création de personnage, elle est pas plus sereine que ça. Ouais, il y a un peu une même vibe, hein, en général, ouais. T'as ce côté, je sais pas comment le décrire, mais c'est un style de musique un peu russe, un peu slavique. Dans l'idée où c'est un peu le genre de musique où tu croises les doigts et tu croises les bras et tu danses en bougeant tes jambes. J'arrive pas à la décrire, mais c'est genre de la musique d'Europe de l'Est slash Russie en termes de rythme, je crois. Mais effectivement, c'est vraiment une vibe très similaire. C'est complètement ça. Mm-hmm. Ok, bon, alors, ça veut dire que... C'est pas ça. Attends, je vais trouver un gif parce que j'ai pas envie de m'enfoncer non plus. Comment il s'appelle la musique ? La tool. Ah, c'est cette musique, ce style de musique là. Musique de squat, hein, où t'es comme ça. Et tout le monde chante en... Tout le monde chante en synchro, c'est sympa. Mais c'est l'impression que ça me donne. Je sais pas si je suis vrai ou pas là-dessus, mais... C'est l'idée. Alors, comment je vais faire ça, moi? Comment je vais gérer ça? Alors j'insère, et puis genre je fais un... Parce que ça, je peux le faire, hein, techniquement. C'est un peu de la triche, mais bon, ça marche. Hein. Et puis, je peux genre... rencontre... Du coup, je peux reprendre recherche X, hein. Égal recherche X de ça dans
cette ligne là, enfin dans cette colonne là, et je veux que tu me donnes ça. Alors non, alors du coup c'est ça, tac. Bam. Et tu me donnes ça. Non, vraiment, ça marche? Oh là 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 là. Trésor 3. Donc là, je suis à 39. 39, c'est trésor 3. Il me donne trésor 1. Là, je suis pas sorti encore. Ah oui, ce genre de danse, ça doit me péter les... ça doit me péter les genoux, mais ça doit être très 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 marrant à faire. Tu fais ça avec des potes, tu le fais en rond comme ça. Et après, tu te mets de la musique sur un sur une bonne boombox au milieu. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Je cherche le 2. Non mais c'est bon. 2 c'est trésor. 1, 39, 39, 39. Ouais. Yes. Ok. Je vais faire la même chose pour ça. Bim. Ah, sauf que lui... C'est M3. C'est un type de rencontre des ventes. Yes. Ben voilà. Ça a rien d'aller à la salle essayer de faire cette danse. Ouais, ouais, non mais c'est... C'est complètement ça. C'est complètement ça. Ok, alors la question maintenant. Ça se fait bien maintenant. Maintenant, c'est quand je clique sur une de ces lignes. Il faut que cette valeur soit mise à jour. Et ça, il n'y a pas le choix. Il va falloir faire un script. Et là, on va faire du vrai code. Développeur, c'est parti. Ah. Tu m'as pas manqué, toi. Alors. Ah, il me faut un rappel, ça fait longtemps que j'ai pas développé sur Excel. Alors. Excel VBA. Clic cellule. Ah, ça peut être une bonne idée ça, ouais. Pourquoi pas? Yes. Ça peut être une idée sympa de vocal. Ah bah là oui, on revient sur de l'anglais. Et là c'est bien. Soudainement c'est bien. Bon. Là, c'est parti. Attends, je dis ça. Mais ouais, non, c'est bon. Allez, si je copie-colle ça déjà. On va déjà commencer simple. Hop. Il faut que je sauvegarde déjà tout le truc. DND rencontre. Excel macro. Tac. Alors ça sait faire quoi? Call my macro. Et après ma macro. Du
Ah oui, c'est ça. If not intersect target range. Et donc du coup je peux mettre la valeur que je veux. Et la valeur que je veux, ce serait genre... Je crois que c'est... Là, quand je clique dessus, c'est considéré comme B2. Ouais. Je fais B2. Then, et à la place de call my macro, je peux juste faire un bon vieux... B7, hein. Ah putain, comment ça marche? Oh, ça fait une éternité. VBA Excel Cell. Ouais, c'est ça. Pas BS, c'est B5. BS, ça veut dire autre chose. Hein. Hop. Je crois que c'est ça. Hein. Non, il aime pas. Ah, est-ce que il a pas, il a, ça existe pas les points virgules dans ce truc, c'est pour ça. Ouais. Quand on l'a fait ça? Carapace bleue, mais attends, mais après, comme c'est comme les courses sont plus longues, c'est presque logique qu'il y ait plus de carapace bleue, tu vois. Ouais. Est-ce que input c'est pas ça? Je l'avais pas appelé input. J'avais appelé input comme ça, et là je l'ai appelé input comme ça. What? On va y arriver. Avant, lorsque je clique là, c'est censé genre B7. C'est censé le transformer en 1. Que j'ai pas bossé là-dessus. Je vais rajouter un bouton. Je vais insérer un bouton. Ok. Avec des macros. Nouvelle. Yes. Ok. Oh putain cette musique. Après ma playlist là pour l'instant c'est juste Deltarune chapter 2 hein. C'est pas giga original. What? C'est pas worksheet, c'est worksheet. Manque de talent ça. Ouais.
paquet. Very well. Est-ce que tu m'embêtes? If sélection dans 40 égale 1. Oui. Ok. Alors lui, on va supprimer ce bouton, il a aucun intérêt. C'est vraiment quand je clique là, dans B2, il faudrait que ça active ça, mais je suis pas certain que ça marche très très bien tout ça. Alors, c'est pas range B5, c'est B2. Ça va peut-être aider, effectivement. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui m'embête? Non, lorsque je clique, c'est bon. Pourquoi il passe dans le texte quand je double-clique dessus? Alors, on va y arriver, hein. Alors, Sommeil, il est parti aller manger. Donc, il se peut que. Ne revienne pas tout de suite. Je vais aller me pinguer. On va aller faire chier, vas-y. Hop. Bon. On verra quand il reviendra. Please don't play the code name my macro. Alors ça se trouve ce que je fais fonctionne juste pas, hein. C'est possible ça aussi. La mixtape. Hein. Ouais. Toi. Mais attends, mais... D'accord, ça marche, ça. Ouais, ça marche, bien sûr. Oh, à chaque fois que j'appuie sur le bouton, ça le reset. Ça, c'est un bon... c'est un bon... Une bonne indication. C'est un bon truc à savoir, ça. Action was a salis click. Allez. Ok. In the worksheet module. What is happening? Alors non, là, je suis en train de créer 25 milliards de modules, c'est pas ce que je veux, là. Ok, je pète tout. Ah, worksheet, là, ok, il y a peut-être un truc à faire, là. Non, ça, c'est pas bon. Oh, intéressant. Je découvre des trucs. Attends, on voit que je suis vraiment à la ramasse là-dessus. Hein.
Est-ce que je peux genre... C'est un peu malaise là. Ça, c'est censé bien marcher, ça. Il y a un monde où ça marche même très très bien, ça. Et je pense que... Ça a pas l'air de bien marcher. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Ça, j'ai aucun moyen de le trigger en fait. Aucun moyen de trigger lorsque je le fais en fait. Y a aucun intérêt. C'est un rapport avec la feuille. How to add... Non. Oh, c'est tout simple, comme ça. Et ben voilà. Et ben voilà. Ça marche plus d'un coup. Ça marche mieux. Et ben voilà, je comprends mieux. Cette musique. Mon Dieu, cette musique, quoi. Et là, je peux faire mon intersection. Intersection, l'objectif. Où est-ce que j'avais trouvé Intersect. Voilà. Bam. Est-ce que j'ai bien mis if target? On va garder si on pioche qu'une seule ligne. Ouais, parce que si on... On va juste garder une cellule aussi. À chaque fois que qu'il y a une musique qui change, à chaque fois je peux pas empêcher de dire qu'elle est trop bien. C'est bon signe. C'est-à-dire que là, si je vais dans D4. Wow. Ok, et donc ça je peux... Normalement ça marche ça. Non. Hop, VBA range sales.
Ouais, cette musique, ouais. Ouais. J'aime bien comme ils ont fait toute une, tout un passage avant pour que le drop de la musique colle avec le gameplay. Et ça rend vraiment insane. Ça rend vraiment trop bien. Ah! Ok. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est vrai qu'il faut faire ça. Donc 1-1, c'est censé être la B2 du coup. Donc 1-1 à... 1... J'ai envie de dire... Ouais, 10. Est-ce qu'il me laisse faire ça? Bon, erreur de compilation. Ça, c'est pas bon, ça. What? J'ai pas défini la fin de la... What? Quoi? Ah c'est... J'ai pas mis de dance sub, c'est ça? Censé mettre un truc là. Pourquoi ça marchait tout à l'heure et ça marche plus ici? J'ai pas sauvegardé, c'est ça? Je crois qu'il y a... Est-ce que c'est la façon dont j'ai choisi ça, plutôt? On va rétablir comme c'était avant, avec l'adresse B1, là. Alors, c'est cette musique-là qui me dit what? Celle-là, ouais, elle est bien, hein. Ça devait être le thème de Birdly avant qu'il ait changé. Ça marche plus. Ça marchait avant, ça marche plus. Ah, c'est si je joue B1. Eh ben. Et attends, pourtant, le code il est là. Allez, je repasse en français. Et ça, c'est censé bien marcher sur une plage de cellule entière. Alors, j'ai peut-être un...
J'ai peut-être un petit truc. Je fais juste ça. Ça, ça va être insupportable. Ça, ça va être absolument insupportable. Ah, là, on aime. Si, à chaque fois. Et donc là, normalement, si je tape entre B2 et C4... Ouais, pour l'instant, ça va. B2 et B10, maintenant. Attends, est-ce que je suis idiot depuis tout à l'heure? Ça, c'est un plot twist. Hein. Ça, on s'y attendait pas. Je crois que je suis idiot depuis tout à l'heure. Hein. Alors. Il est idiot depuis tout à l'heure. Il est trop fort. Ok. Bon. C'est ça. Il peut pas être égal à 0 lui. Ouais, c'est bon, nickel. Et donc c'est trop 2 2 7. C'est 7 2, pas 2 7. Oui, ouais, j'ai compris. Alors, je peux virer le I, c'est bon, on a compris. On va y arriver. Ok, et pour finir, il faut que ce soit égal à la colonne maintenant active. Excel. Alors, on va peut-être changer cette musique-là. Elle est peut-être moins intéressante musicalement. Oh ouais, yes. Mieux. Non.
marche, c'est ces colonnes. Yes. Ouais, bah voilà. Nickel. Bon bah c'est bon. C'est fait, c'est bon, c'est incroyable. Je cache ça. Et on a fini. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut voir? Ouais. Re. Oh bah t'arrives pile pas au bon moment. Eh bah écoute, je vais probablement repartir. Parce que je t'explique, je suis allé faire des courses pour acheter un peu de viande pour manger ce soir. Et ma carte n'est pas passée. Ah. J'ai patienté genre 20-30 minutes là-bas pour que dalle, pour au final récupérer juste une petite boîte de lardons. Ce sera carbo ce soir. Et c'est pour ça que je suis en retard, du coup j'ai même pas mangé. Voilà, let's go. On est bien là. Putain, c'est terrible. Bon, c'est les choses qui arrivent. Hein. Bon, dur, dur. Du coup, bah je vais juste repartir là. Voilà, je faisais juste perdre. Yep. Bah écoute, je pense que je vais pas tarder à couper de mon côté, parce que là, j'ai fini ce que je voulais faire pour plus ou moins. Donc ça c'est du visuel, je vais peut-être couper ça. Bah, si ma carte est passée pas au casino, elle va pas passer au domac. Ah non, sinon je te fais livrer un truc. Hein. Non, non, t'inquiète. Pas de soucis. Non, c'est pas passé, j'y retournerai demain, c'est tout. Ouais. Je voulais prendre quelques vivres justement pour demain, mais tant pis. De toute façon, je passe demain, donc je pourrais, si je peux filer un coup de main à la limite. Non, t'inquiète, oui, bon, on verra, t'inquiète. Nickel. Bon, je vais y aller. Je vous souhaite un bon appétit. Écoute, je vais y aller aussi parce que je vais avoir terminé ce que j'ai fait et là on va partir à des côtés un peu spoiler. Donc ah ouais, donc vaut mieux pas que autant que je reste là. Bon, c'était bien productif. Ouais. Et bah merci Underpixel d'être passé. Ouais, c'est toujours sympa de pouvoir discuter. Et premier Underpixel, on se fait un Mario Kart très très bientôt. On essaie de scaler un point. Yep. Parce qu'elle est un point, je parle comme si j'étais au boulot, quoi. C'est insupportable. C'est parce qu'elle est un petit temps. Yep. Bon, allez, bah, passe une bonne fin de week-end, que ce soit à Soma ou à Underpixel. Yep, très bonne soirée à vous tous. Et puis, bah, on se retrouve très très bientôt pour la suite. Hein. Yep. Allez, ciao. Allez, ciao à tous. Salut. Salut.